Et l'honneur d'accorder une seconde interview pour le CIPO France. Pour cette interview, nous avons deux invités également membres du CIPO. Nous avons Michael Vaillant, donc, qui intervient au GIPAN en tant qu'indépendant. Il est également data scientist. Et nous aurons également Dominique Fiol, qui est réalisateur du film documentaire OVNI, une affaire d'État. Et je vais d'ailleurs laissez la parole dans un premier temps à Dominique qui va vous poser quelques questions. Très bien. Voilà. Merci de votre accueil. Avec plaisir. Alors, Jacques, pendant votre carrière, y a-t-il eu une rencontre ou une expérience particulière qui vous a marqué et convaincu du phénomène, puis d'y consacrer une partie de votre vie ? La question est de Jean-Jacques Cherchen de OVNI Languedoc. À l'âge de 15 ans, j'ai vu un ovni très clair, milieu de l'après-midi, à une heure de Paris. Ma mère l'avait vu avant moi et m'a appelé. L'objet était silencieux, stationnaire, très, très clair, à peu près à un demi-kilomètre de distance de là où nous étions. C'était un objet circulaire avec un dôme. Le lendemain, j'en ai parlé à un de mes amis qui habitait, lui, plus haut sur la colline, à peu près à un demi-kilomètre de moi. Et il avait vu la même chose et l'avait regardé avec des jumelles. Bon, on était tous les deux étudiants en sciences, férus de bonnes observations, etc. On a comparé ce qu'on avait vu, il n'y avait aucun doute. Sur le moment, bien entendu, les journaux en France avaient déjà parlé d'OVNI, etc. C'était en 1955, hein, donc j'avais 16 ans. Mais il y avait aussi beaucoup de nouveaux prototypes d'avions à cette époque-là, hein, tout juste après la guerre. Il y a eu les premiers jets, il y a eu un tas d'expérimentations. Donc, dans les années qui ont suivi, je me suis persuadé qu'il devait y avoir une explication ordinaire, disons, aéronautique. Et c'est plus tard, quand j'ai travaillé à l'Observatoire de Paris, que j'ai compris que le public voyait vraiment, vraiment beaucoup de choses que les scientifiques mettaient dans un tiroir parce que, bah, simplement, ils n'avaient pas d'explication. Donc, quand je suis parti aux États-Unis, une chose qui m'a frappé, quand j'ai eu accès au dossier, que j'ai pu travailler sur ordinateur, chercher des modèles, des modélisations, j'ai compris qu'il y avait un phénomène avec des règles, avec des modèles internes du phénomène lui-même. Et c'est ça qui m'a convaincu plus qu'autre chose. C'est la multiplicité des comportements des objets, une fois bien entendu qu'on avait retiré toutes les erreurs, etc., les mirages et tout. Mais c'était ce qui ben, je suis un informaticien, donc j'ai tendance à regarder les chiffres et à regarder les modèles. C'est ça qui m'a vraiment convaincu
qu'il y avait quelque chose à creuser. Alors, ça ne me disait pas si c'était des ovnis, si c'était... Mais il y avait clairement un phénomène nouveau qui n'était pas compris et qui avait une structure interne. Alors, pour un jeune scientifique, c'est passionnant, bien sûr. Donc, c'est là que j'ai commencé à investir mon temps. Mon épouse, à l'époque, était psychologue, donc pouvait m'aider à l'analyse des rapports, des témoignages, etc. Et on a travaillé très dur sur, en particulier, les dossiers de l'armée de l'air américaine, auxquels on avait accès à travers le professeur Hynek. Et les expériences d'Hynek lui-même, qu'il m'a raconté, bien sûr, on a travaillé ensemble sur un certain nombre de cas, ont contribué à former, disons, ma vision générale du phénomène. Ça, c'est très clair. Hier, tu disais à la conférence que le sujet OVNI était classifié au-delà de celui de la bombe nucléaire. C'était un secret encore plus important que celui du sujet du nucléaire aux États-Unis. Après donc 70 ans d'Omerta, on commence un peu à ouvrir les dossiers, on en parle de manière beaucoup plus ouverte aujourd'hui. Comment tu expliques cette... Quelle est la raison du secret, ou les raisons du secret ? Alors, je ne suis pas habilité à... c'est difficile d'imaginer quelque chose qui doit être gardé plus secret que la fabrication des bombes thermonucléaires. C'est pas... cette déclaration venait d'un officier du gouvernement américain qui avait été chargé de transmettre au gouvernement canadien un élément qui venait de l'interception d'un OVNI. Donc, un élément matériel qui pouvait être testé. Au-dessus de Washington, oui, absolument. Qui pouvait être testé en laboratoire. Et c'est le chef des recherches canadiennes qui a révélé cette conversation. Devant des journalistes qui lui posaient exactement cette question. Pourquoi est-ce que tous les dossiers ne sont pas ouverts ? Et il a fait cette déclaration. Qu'on lui avait dit, en lui remettant cet échantillon, qu'on lui avait dit que le sujet était classifié aux États-Unis plus haut que la bombe atomique. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que, sur le moment, je n'avais pas compris ça. J'ai compris depuis, à travers les recherches sur le livre, sur Trinité, qu'il y avait une classification spécifique du domaine nucléaire. Donc, ce que ça voulait dire, c'est que, d'une part, c'était classifié en dehors des canaux normaux, disons, des classifications militaires, comme une nouvelle fusée, quelque chose comme ça, mais que c'était resté dans les dossiers de l'énergie atomique, qui remontait au projet Manhattan et à tout cela, et qui continue d'être étudié séparément, ce qui se comprend, hein, des autres domaines classifiés. L'autre chose, c'est que, effectivement, ta question est tout à fait valable. Pourquoi est-ce qu'on créerait une classification plus grande ? On peut imaginer plusieurs choses. Soit que, d'abord, il y a la difficulté scientifique à déterminer la nature de ces objets, qui, à mon avis, continue. C'est pas difficile de percer le secret, puisqu'on continue à lancer des super fusées qui sont de la taille d'un gratte-ciel, avec essentiellement des produits chimiques dedans. Alors que si on pouvait créer un système de propulsion basé sur ce que les gens décrivent quand ils voient un ovni, on n'aurait plus besoin de ces fusées. Vraiment. Donc ça veut dire que le secret n'a pas été compris, qu'il y a encore un secret qui reste. Alors le secret, il y a deux approches qu'on peut imaginer pour un pays moderne. La première approche, c'est de partager
de partager la question comme on le fait au niveau de l'écologie, par exemple, parce que l'écologie, c'est un phénomène qui nous menace tous, qui est à l'échelle de la planète. Donc, les scientifiques échangent leurs données tous les jours. Donc, on peut penser, comme le phénomène OVNI est global, qu'il se passerait la même chose. C'est-à-dire qu'on ouvre les dossiers et que, dans mon cas, j'ai toujours travaillé ouvertement avec les scientifiques qui voulaient bien s'intéresser à ce que je faisais dans d'autres pays. Alors pourquoi l'autre possibilité pour un pays moderne, c'est de se dire si on arrive à trouver la clé de la propulsion, par exemple, ou des matériaux, on va avoir un avantage stratégique. Et je pense que c'est aux États-Unis qui ont effectivement la technologie la plus avancée aujourd'hui. C'est une réaction qui serait normale, disons. Bon, ce n'est pas à moi de juger, hein, je ne sais pas ce qu'il y a dans les dossiers, mais les États-Unis n'ont pas toujours fait ça. Par exemple, le transistor aurait pu être classifié, et il y a une décision du Pentagone et du président des États-Unis de ne pas classifier le transistor. Ce qui a permis à l'industrie américaine de dominer totalement la planète en termes d'électronique. Parce que tout le monde avait des tubes à vide, etc., comme on les a connus. Et le transistor était une révolution globale. Et ça, le résultat a été de donner un avantage commercial extraordinaire aux États-Unis. Au début des années 50, enfin fin des années 40, début des années 50. Pas seulement au niveau militaire, mais au niveau économique, au niveau de la domination économique, etc. Donc, il est arrivé que les États-Unis prennent ce genre de décision, c'est-à-dire d'ouvrir. Le transistor aurait très bien pu rester secret, le garder dans des villes secrètes comme Los Alamos. Et la décision a été de l'ouvrir. Ça a été fait aussi pour le nucléaire, hein, à la fin du projet Manhattan. La question s'est posée de savoir si une partie des secrets nucléaires devait être révélée. Et là aussi, la décision, c'est une décision difficile, parce que si on révèle l'enrichissement de l'uranium, etc., comme on le voit aujourd'hui avec l'Irak, c'est pas très difficile d'aller d'une centrale civile à une usine militaire. Donc, c'était une décision difficile qui a été faite sous l'influence des grandes sociétés d'énergie électrique qui voulaient construire des centrales nucléaires pour fournir de l'énergie électrique. Donc là, il y a eu une déclassification d'une grande partie des secrets du projet Manhattan. Donc c'est pas quelque chose qui est jamais arrivé de déclassifier quelque chose après la guerre. Pourquoi est-ce qu'au bout de 60 ans, 70 ans et plus, on n'a pas rouvert les dossiers OVNI, les dossiers scientifiques? C'est pas à moi de répondre. On peut supposer que... Oui, c'était, est-ce que tu as des hypothèses en plus? Une hypothèse qu'on a discutée ouvertement à la fois aux États-Unis et avec des amis en France, c'est que ça pose des problèmes sociologiques, voire religieux. Donc ça touche à des questions idéologiques, à des questions politiques, à des questions sociales qui peuvent déstabiliser la société, inquiéter le public, inquiéter les circuits commerciaux, faire une révision profonde de la vie sur Terre. Si vraiment on est en présence, si on doit se poser la question d'être en présence d'une autre forme de vie intelligente, plus intelligente que nous, qui domine la technologie, c'est peut-être pas aux scientifiques de prendre la décision.
Je te raconterai une anecdote, mais dans les années 60, quand j'ai commencé à travailler avec Aimé Michel, fin des années 50, début des années 60, on a commencé à voir, Aimé Michel avait autour de lui un certain nombre de scientifiques, y compris des scientifiques atomistes français, etc. Et on a commencé à avoir des vrais résultats. Donc la question s'est posée de savoir à quel moment on devait en parler aux États-Unis. Enfin, donc Aimé Michel est allé voir je pense qu'il était le colonel Clairoy, qui était à ce moment-là, qui avait les dossiers OVNI de l'armée française. Et ils ont déjeuné ensemble, bien sûr, à Paris. On est à Paris, on déjeune ensemble. Et Aimé Michel lui raconte ce qu'on était en train de faire, qu'il y avait véritablement un vrai phénomène qui était important et qu'on devrait en parler aux Américains. Clairoy dit « pas de problème, moi j'en parle à mes correspondants du Pentagone qui sont à l'ambassade américaine, etc. Mes correspondants au niveau militaire. » Et on se revoit dans un mois après, et se retrouve au même restaurant. Et mais Michel dit « mais alors mon colonel, où vous en êtes avec les Américains ?» Et Clairoy lui répond « on fait rien ». On ne fait rien parce que ce serait trop déstabilisant pour la société humaine. Donc les Américains ne veulent pas en parler. Ça veut dire qu'il y avait eu un échange. Il y avait eu un échange, il avait rencontré ses correspondants américains de la diplomatie qui avaient communiqué avec leurs amis à Washington, etc. Et la réponse, c'était « good luck ». Et ma dernière question, du coup, hier tu as fait le lien entre l'affaire de Trinité, de Socorro et de Valensole. Oui. Et tu as eu la chance, je crois, en 79, de rencontrer Maurice Mas. Oui. Et je voulais te poser la question. Deux jours avec lui. Deux jours. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué dans ta rencontre avec Maurice Mas sur cette affaire de Valensole? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. D'abord, sur le plan humain, un immense respect pour l'individu, pour l'homme. J'ai un respect profond pour les gens qui se sont battus dans le Vercors et dans les Alpes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait ce même respect de la part des gendarmes. Donc c'est amusant parce que la relation entre les gendarmes qui font l'enquête et le témoin était renversée. Le témoin était hautement respecté dans la région et il était connu comme quelqu'un qui ne plaisantait pas, enfin, ni en affaires, ni sur une observation qu'il aurait pu faire. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est que il avait été profondément affecté. Alors bien entendu, bon, on discute, tu connais le midi de la France, on discute, on boit un petit verre, etc. On discute, il y a de la bonne humeur. Mais après, quand on était sur le terrain et qu'on retraçait ce qui s'était passé, c'était vraiment sérieux. C'est quelqu'un qui avait été profondément marqué. Et ce qu'il faut ramener au fait que c'est quelqu'un qui avait vu la mort de près pendant la guerre, qui avait participé à des opérations de commando contre les divisions allemandes. Enfin, c'était quelqu'un qui n'était pas facile à impressionner. Or là, il reconnaissait que le fait qu'il a été paralysé par les petits êtres qui soit resté dans son champ après que l'objet soit parti. C'était ça qui était resté pour lui. Qu'il était resté paralysé pendant 20 minutes après le départ de l'objet. Et bon, une paralysie étendue, enfin, je ne suis pas médecin comme tu sais, mais j'ai parlé à des médecins, ça veut dire une profonde connaissance d'abord du système nerveux humain, parce que bon, il n'a pas été blessé, il n'a pas été tué, il n'a pas été par cet objet. Donc l'objet était vraiment calibré pour l'immobiliser à une certaine distance de l'objet.
Et là, il a eu l'impression d'une communication à un très très haut niveau avec la technologie, avec les êtres qui contrôlaient la technologie. J'ai mentionné hier le fait qu'il avait trouvé des traces semblables dans un autre de ses champs et qu'il les avait effacées et qu'il n'avait jamais fait le rapport. Parce que c'était à quelle époque ? C'était combien de temps après son événement ? C'était à peu près dans les mêmes... C'était en 65, juillet 65. C'était à peu près à la même... dans les quelques semaines. Ah oui. Alors, par contre, j'ai rencontré certains de ses amis qui, eux, avaient vu quelque chose, qui n'avaient jamais témoigné et qui nous ont raconté ce qu'ils avaient vu. Donc, ce n'était pas un cas isolé, c'était l'affaire de Valensole. Bon, si tu vas à Valensole, essaye de retrouver Kilou, qui était un berger, qui était là, qui avait vu quelque chose, qui nous avait décrit, et avec des phénomènes physiques autour. Mais à ce moment-là, ils avaient suivi le modèle de Maurice Mas, c'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas. Donc, ils n'en ont pas parlé aux gendarmes. Donc, ce n'est pas dans les dossiers du CNES. Il faut faire des études de terrain. Il faut aller sur place. Il faut connaître les gens. Il faut gagner leur confiance. J'avais la chance d'être avec quelqu'un qui déjà connaissait et avait sa confiance et connaissait l'environnement. Mais le midi, ce n'est pas toujours facile. C'est pas... Salut Jacques Vallée, séquence 2. Bonsoir Jacques, ravi. Bonsoir. Ravi de te voir ici ce soir. Comment va le CNES ? Le CNES va très bien. Il vous donne le bonjour. Oui. Et toute l'équipe se joint à moi au CNES pour te donner le bonjour. Voilà. Très bien. Alors ce soir, par contre, nous allons parler à titre privé. Tout à fait. Du CNES. Et effectivement, je viens là aussi vous rapporter, te rapporter, je vais te tutoyer, certaines questions des membres du CIPO. Et Xavier, par exemple, s'interroge un peu sur votre parcours et il voulait revenir un peu sur cette évolution. Moi aussi, ça m'arrive de m'interroger. Voilà. Donc il a eu l'impression. Et Flamine me pose des questions. Très bien. Et il se demande, par exemple, si sur l'aspect de tous les boulons, alors c'est, ouais. C'est une terminologie que l'on retrouve dans l'ufologie, ta vision a évolué avec le temps. Il a cette impression-là que peut-être, Trinity, tu t'aurais remis plus dans une perspective, on va dire, un peu matérialiste des choses. Est-ce que c'est le cas ? Alors, en fait, non. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis mal exprimé quand j'ai commencé à parler des phénomènes psychiques associés aux phénomènes. Et là, il y a des faux amis parce que psychic en américain ne veut pas dire psychique en français. Ah d'accord. Malheureusement, il n'y a pas d'autre mot pour dire la chose. Alors psychique en français, ça veut dire Madame Irma, la boule de cristal, toutes ces choses un petit peu bizarres, les fantômes, les spectres, tout ça. Psychic aux États-Unis, c'est les phénomènes de mentalité, de création des idées, d'expression psychologique, etc. Donc, c'est les phénomènes qui se passent au niveau du système nerveux, en particulier du cerveau, liés à des perceptions, voire à des perceptions qui sont inconscientes, etc. Donc, c'est ça le sens de psychic en anglais. Alors, quand j'ai dit que les ovnis, je l'ai dit dans les années 60, quand j'étais aux États-Unis et que j'étais mêlé à ces recherches, et c'était pas interdit de parler de phénomènes psychiques à côté des... Par exemple, si un témoin a vu un ovni et que dans les nuits suivantes, il a des rêves et des cauchemars à propos de l'ovni, c'est un phénomène psychique. Bon,
c'est pas Madame Irma, c'est pas les fantômes, c'est un phénomène qui se passe dans le cerveau, qu'on ne comprend pas nécessairement au premier abord, et qui change la vie. Donc c'est à ce sens-là. Alors en France, ça a été compris comme Vallée rejette la question matérielle complètement, et pour lui, les ovnis, c'est des trucs imaginaires, un petit peu comme Jung. D'accord. Alors Jung n'a jamais dit que les ovnis étaient imaginaires. Plus, hein? Ouais, au contraire. Ouais. Hein? Jung raconte dans le livre qu'il a écrit sur sa vie des cas où des tables en bois se déplaçaient ou faisaient entendre des bruits, etc., en connexion avec les personnes qui étaient là, phénomène psychique qui était matériel aussi. D'accord. Donc, alors, c'est vrai que Jung est placé un petit peu, c'est un petit peu déplacé par rapport à, disons, à la psychologie, au principal courant de la psychologie, à cause de son intérêt pour ces phénomènes, qu'il a été critiqué pour ça, et même mis à l'écart de certaines choses pour ça, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Et ça ne veut pas dire, donc, pour moi, nous sommes à la fois matériels et psychiques. Je peux imaginer un mouvement et réaliser ce mouvement. Je peux imaginer une machine et fabriquer cette machine. Bon, c'est ça notre nature humaine. Peut-être aussi que finalement, cette impression a été rendue parce que tu t'es récemment penché sur l'analyse de matériaux. Et tu as commencé effectivement à en parler. Et ça a ramené effectivement le débat, en tout cas autour de tes travaux, sur un aspect extrêmement matérialiste, j'ai envie de dire. Et oui, j'ai une question à ce propos de Gilda Bourdet, qui se demandait, puisqu'on a parlé, on a évoqué l'affaire de Trinity hier, et donc de ce crash qui s'est produit, sur lequel les enfants sont intervenus et sont venus récupérer une pièce. Cette pièce, semble-t-il, tu nous as expliqué que tu l'avais récupérée, oui, justement, pour analyse. Oui. Et est-ce que tu nous confirmes que c'est bien toi aujourd'hui qui dispose de cette pièce? Et est-ce que tu peux rappeler, ça intéresse Gilda Bourdet, quels ont été les derniers éléments effectivement d'étude ou d'analyse que tu as pu obtenir autour de cette pièce? Oui, on n'est pas tout à fait prêt à les publier parce que, non pas que ce soit particulièrement sensationnel, mais on n'est pas arrivé au degré de certitude sur certaines choses. L'objet, d'abord, c'est moi qui l'ai, mais enfin, c'est notre équipe. Hein, c'est notre équipe et elle va d'un laboratoire à l'autre. Elle est actuellement dans un laboratoire de Silicon Valley pour des analyses un petit peu plus précises. On ne veut pas la couper, on ne veut pas... On ne veut pas la détruire, c'est bien dommage. Sûr, on ne veut pas la couper, mais on peut voir à l'intérieur à travers certains appareils. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Ça coûte cher, mais on a les ressources pour faire ce genre d'analyse. Il n'y a aucun doute que c'est un objet de fabrication humaine. Bon, il ne faut pas faire de faux procès de dire que c'est extraterrestre. Cela étant, la question, c'est qu'est-ce que ça venait faire dans un objet qui était un ovni matériel, puisque les enfants étaient là sur place pendant 10 jours et ont vu toutes les étapes de la récupération de l'objet par l'armée américaine. Donc là, c'est pas Roswell, où on en est encore à se disputer sur est-ce que c'était à tel endroit ou à tel autre endroit et d'où viennent les pièces. Là, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on est prêt à investir dans cette étude. Alors, l'objet est un actuator, c'est-à-dire c'est un objet tel qu'on en trouve effectivement dans les puits, dans les éoliennes, etc. Sauf que quand on va voir les gens qui fabriquent des puits et qui installent des éoliennes, ils nous disent ça ressemble beaucoup, mais ce n'est pas à nous.
Et ce n'est pas à nous et ce n'est pas une pièce cataloguée. Alors, on a acheté des pièces d'éoliennes pour voir à quoi ça ressemblait. Ça ressemble effectivement beaucoup, mais sur les pièces d'éoliennes américaines, d'abord, elles sont en inch et pas en millimètres. Cet objet-là, tous les orifices et toutes les distances sont en système métrique. L'armée américaine n'utilisait pas le système métrique en 1945. Ça peut venir d'un autre pays. Alors, ça m'a amené à me poser une question, parce que quand j'ai écouté cette conférence hier, ça m'a vraiment frappé, cet aspect presque, et peut-être que tu partageras cette sensibilité, j'aimerais bien avoir ton avis, presque théâtral, quelque part, ou oui. Du phénomène. C'est-à-dire que presque on pourrait se dire, est-ce que le phénomène n'est pas tombé là, entre guillemets, pas par hasard, mais non, presque, il n'était pas là par hasard. Voilà, presque de façon, entre guillemets, programmée ou volontaire, comme on le voudra, d'une part, et d'autre part, il y a ce côté un petit peu carton-pâte, presque western, comme si on avait... le phénomène va nous laisser voir des choses. Un display. Voilà, exactement. Oui. Et à l'intérieur, les enfants rentrent, tout est vide dans ce phénomène. Oui, alors attends, on ne sait pas, parce qu'ils sont rentrés le dernier jour, quand l'objet était prêt à partir, mais les soldats avaient eu 10 jours pour le nettoyer, ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais est-ce que, entre guillemets, et c'était un peu le sens de ma question, est-ce qu'à l'intérieur, il y avait autre chose que cet objet qui a été récupéré ? Non. On a une très très bonne description de l'intérieur, du toucher des murs, des panneaux qui constituaient le mur. L'objet était extraordinairement solide, puisqu'il heurte cette tour, il la met hors d'état de communiquer, et ensuite il creuse un boulevard en atterrissant. On a l'impression d'un atterrissage forcé, mais pas d'un vrai crash. L'objet est intact, sauf un panneau qui est éparpillé sur le sol et que les enfants récupèrent après. Il tourne apparemment sous sa propre puissance. Il tourne et il s'arrête. Excuse-moi. Et ma question, c'est à l'intérieur, pas d'aspérité, pas d'inscription, pas de... Non. Rien pas de gravé. Pas de pupitre, pas de siège, pas de... Juste cet objet. Et là, moi, ça me fait penser toujours à cet aspect théâtral. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que tu as regardé un petit peu sur l'aspect symbolique autour de cet objet ? Qu'est-ce que ça pourrait signifier symboliquement ? Et plus généralement, quelle est ton expérience ou ton avis sur la symbolique des phénomènes ? Alors, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que c'est un ovoïde. J'ai montré la photo de la bombe. La bombe est un ovoïde. Voilà. Le conteneur qu'ils avaient construit pour tester la bombe à uranium, qu'ils avaient décidé finalement de ne pas tester, était un cylindre qui avait la même forme. Le poids de l'objet, autant qu'on puisse le dire d'après les caractéristiques du camion qui l'a emporté, le poids de l'objet était équivalent au poids de la bombe. La bombe au plutonium, c'est-à-dire dans les 4 tonnes. Il y a une forme de message peut-être. Pardon ? Il y a une forme de message peut-être, la dernière. Alors, il y a, comme dans beaucoup de cas que nous connaissons, un aspect théâtral. Alors, ça m'amuse beaucoup quand les gens disent, voyez, les ovnis se cachent, puis tout d'un coup, on les voit au coin de la route. On les voit au coin de la route, des fois ils sont posés sur la route, et au milieu de la route, c'est pas un objet qui se cache, ça. C'est un objet qui se montre au contraire, et qui s'en va, voire disparaît sur place comme à Valensole. À Valensole, l'objet décolle, il part vers le ciel et à peu près à 60 mètres, il n'est plus là. Des physiciens qui disent oui, mais il a peut-être accéléré au-delà de ce que l'œil pouvait suivre, etc. D'accord. Il y a aussi des physiciens qui sont très intéressés à la topologie de l'espace-temps et qui disent on doit pouvoir faire des trous dans l'espace-temps et passer par ces trous, trous noirs, etc. Il n'y a rien en physique qui interdit ce genre de choses.
Alors, les ufologues me font un procès aussi parce que j'ai dit que les objets volants non identifiés, d'abord, ils sont identifiés. C'est des ovnis. Bon, c'est une identification comme une autre. Ce pas des objets et ils ne volent pas. Bon. Alors, les gens ont dit, voilà, Vallée est parti dans des trucs, hein, des histoires de fantômes. Mais en fait, c'est pas un objet ne fait pas ça. Bon. Un objet ne disparaît pas comme ça dans l'air. Un objet matériel qui vient de faire des trous dans le sol ne disparaît pas. Alors, revenons à ta question. Oui. C'est pour ça qu'on... Bon, on a une explication simple, c'est un objet humain. D'ailleurs, tu as vu le double cercle qui semble être un cercle de cuivre autour du panneau qui était resté, que les enfants n'avaient pas pu prendre. On peut penser que c'est les soldats qui l'ont amené pour entourer un fil électrique. Ils travaillaient jour et nuit, donc ils avaient besoin de lumière. Ils sont à 5 km du village le plus proche. Cela étant, moi, j'ai eu une Jeep dans le temps aux États-Unis. Une Jeep peut générer du courant. Et elle est faite pour ça, pour amener du courant, des outils, etc., sur un champ de bataille, sur une campagne, etc. Donc les Jeeps peuvent générer du courant, donc peuvent éclairer l'intérieur de l'objet, etc. Donc on peut supposer que les soldats ont fait ça. Avec la première chose qui leur est tombée sous la main, qui était cet objet qui venait peut-être d'une ferme. Donc je suis tout à fait ouvert à ça, sauf qu'on n'a pas trouvé la ferme. Alors l'objet, tous les brackets comme ça qu'on a pu trouver, ont une marque dessus. Ils ont une marque, un numéro, etc. Parce qu'ils sont en vente légale. Cet objet-là n'a pas de marque, aucune marque. Il est donc en millimètres et il y a d'autres aspects qu'on ne comprend pas vraiment quand on le regarde au microscope, voire au microscope électronique, parce que il semble que dans le... Alors, bon, la composition chimique, elle est connue, elle est standard, hein, complètement standard. Toutes les proportions des différents composants sont là. Mais il y a des fibres à l'intérieur qu'on ne comprend pas vraiment. Alors on ne comprend pas si c'est peut-être un amateur qui avait fabriqué ça, un fermier. C'est pas très difficile à fabriquer, hein, si on a un petit labo. Donc ça peut être fait dans une école, un collège. On mélange de l'aluminium avec deux ou trois autres choses qui sont disponibles. Donc on peut imaginer ça. Et puis on peut imaginer que l'environnement n'était pas complètement propre et qu'il y a des fibres qui sont... Mais alors on est en train de regarder les fibres pour voir si elles sont d'origine complètement naturelle ou si elles ont une raison d'être. Elles ne sont pas connectées à quoi que ce soit. Donc on en est là et on pense que finalement ça va être un objet ordinaire qui se trouve être là. Alors le mystère vient du fait que quand même l'armée est revenue plusieurs fois chez Faustino Padilla, le père. Les enfants, bien entendu, allaient se cacher dans un coin. Et les officiers de l'armée sont revenus en disant « Est-ce que vous n'avez pas trouvé autre chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez gardé du crash ?» Et ça rejoint ma question, en fait. C'est-à-dire que finalement, moi, même si, évidemment, il faut rester sur l'hypothèse la plus simple, qui est que cet objet soit de facture humaine, oui. Ça paraît le plus sensé. On peut toujours imaginer, quel que soit l'objet et sa nature, hein, que cet objet appartenait finalement à cet objet et que ça faisait peut-être partie d'un message symbolique. C'est ça que je voulais dire quelque part dans ma question. Et à ce moment-là, quel symbole et pourquoi ce symbole et qu'est-ce que ça peut avoir comme signifiant ? Parce qu'on se rend compte que souvent, ces phénomènes empruntent à la culture locale ou humaine. Des symboles. Ouais. Et je me suis demandé si dans ce sens-là, ça t'avait évoqué quelque chose finalement. Voilà, on cale là-dessus, on se pose la question. Il y a des cas récurrents, comme tu sais, dans les dossiers français, dans les dossiers américains et ailleurs, où un objet arrive tous les vendredis.
Alors, d'accord, mais est-ce que les Martiens ont un calendrier où il faut une croix sur le vendredi et puis ils disent qu'il faut qu'on vienne dans 8 jours. Enfin, c'est quand même pas tout à fait normal. La Vierge Marie à Fatima revient tous les 13 du mois, hein, jusqu'à l'exposition finale. Hein, comment elle sait que c'est le 13 du mois, la Vierge Marie? Alors, d'accord, il y a une réponse religieuse, on s'incline devant ça, mais le fait qu'on retrouve la même chose dans certains cas d'OVNI, que je pourrais te citer, où un objet revient à la même heure, le même jour de la semaine, on a l'impression d'être nargué un petit peu par le phénomène, hein, que ça. Le phénomène utilise nos symboles pour faire passer un message qui reste à décoder. Voilà. Bon, une question très rapide maintenant, et on va voir si on peut être synthétique. Je vais prendre un peu de recul et me mettre toujours du point de vue du CIPO. Quel conseil donnerais-tu à un mouvement citoyen comme celui-ci, et qui souhaite favoriser, on va dire, la libération des données sur les phénomènes inexpliqués? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Quelles seraient, à ton sens, de bonnes actions? On se pose la question à propos de Saint-Antonio. Cet objet a été emmené par les soldats, probablement classifié dans les dossiers nucléaires. On n'y aura pas accès. Enfin, je ne pense pas que de ma vie, j'aurai accès à l'objet lui-même. Cela étant, on a accès aux témoins. Donc les témoins, eux, ils ne sont pas classifiés. Ils n'ont jamais signé d'accord de confidentialité. Ils avaient 7 ans et 9 ans. Bon. Donc on a les témoins. Si on gagne leur confiance, comme on l'a gagné avec Paola, on sait ce qui s'est passé. On a tous les détails. Ils étaient là tous les jours. Ils étaient passionnés par la chose. Ils ont regardé minute par minute ce que faisaient les soldats. Quand les soldats ont amené la grue, ça les a intéressés. Quand ils ont amené le grand camion, ça les a intéressés. Ils nous donnent la description de tout ça. Donc ça, on l'a. Je crois qu'il faut renoncer à essayer de percer les secrets d'État, etc. S'il y a des secrets à ce niveau-là, ils sont inaccessibles. Ils ne sont même pas sous le contrôle de l'État. Je pense qu'aux États-Unis, le contrôle de tous ces documents est passé dans l'industrie. Et pourtant, ça se décloisonne en ce moment, non ? Ton sentiment là-dessus ? Oui, il y a une question non résolue. Il semble que le Congrès s'oriente vers l'idée d'ouvrir les dossiers et de créer véritablement un bureau ou une agence qui rassemblerait, qui ferait appel aux scientifiques, soit ceux de Harvard ou ceux de Stanford ou d'autres, pour étudier tout ça. Et nous, on est prêts, bien entendu, à collaborer à ce niveau-là. Mais il y a déjà un groupe à l'intérieur qui a déjà pris une décision préventive de créer sa propre cellule, qui est une cellule secrète, classifiée. Bon, ça, c'est officiel, c'est dans les journaux, etc. Donc la question, c'est de savoir à quel niveau est-ce qu'il va y avoir une réconciliation entre les deux. Parce que, bon, d'un autre côté, Il y a un problème que les gens ne voient pas. On n'a pas le temps de rentrer dans ces détails, mais le secret, il n'y a pas un secret, il y a des centaines de secrets. Et chaque cellule, par exemple, les gens qui s'occupent des satellites, les satellites de reconnaissance qui passent au-dessus de la Russie, par exemple, ils s'arrêtent au-dessus des États-Unis. Ils ne regardent pas les États-Unis. Ils n'ont pas le droit de regarder les États-Unis. Donc, ces différentes cellules qui peuvent avoir des éléments d'information n'ont pas le droit de communiquer entre eux. C'est la même chose en France. Bon, donc
Il y a un problème de structure de la classification elle-même. Il faudrait créer une super classification, et ça, c'est très, très difficile à faire. Écoute, je te remercie. Nous en reparlerons avec plaisir. D'accord. C'est bien ce qui me passionne dans cette problématique, ce qui me passionne voilà, aussi. Exactement. Je crois que la réponse au CIPO, c'est aller voir les témoins, gagner leur confiance, travailler sur les cas et les publier, les mettre en ligne. Voilà. Ce qui se fait depuis des dizaines d'années par ailleurs, non ? Ce que je fais et ce que font d'autres, et on tombe sur des cas qui n'ont jamais été rapportés, donc qui ne sont pas classifiés, etc., parce que les témoins n'ont pas parlé. Écoute, merci beaucoup. Vous avez travaillé beaucoup sur les données, sur les bases de données, c'est important dans vos travaux. Et j'aimerais vous poser une question par rapport au projet Capella. Oui. Voilà, donc où en est donc ce projet ? Est-ce que cette base de données qui doit être gigantesque depuis le début, depuis le temps qu'elle a été faite, est-ce qu'elle est consultable ? Est-ce que c'est des choses qui sont toutes classifiées ? Dans quelle mesure vous avez participé à ces travaux-là ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela ? Capella, c'est moi qui ai inventé ce projet, parce que je me suis aperçu qu'on ne peut pas faire une base de données sur les ovnis, parce que si on rassemble les rapports d'ovnis, on sait déjà qu'il y a au moins 50% qui sont des témoins de bonne foi, qui ont vu quelque chose qui est explicable. Donc il y a déjà un travail à faire, qui est un travail de tri, éventuellement de retourner sur les lieux, de comprendre comment les témoins ont pu être trompés par un phénomène naturel ou artificiel, un avion, une fusée, etc. Donc les différentes sources ont des degrés différents d'incertitude. Par exemple, les pilotes sont entraînés, ils voient certaines choses, ils sont des bons observateurs, par définition, ils ont été testés, et c'est des gens qui ont une certaine aptitude mentale et intellectuelle à lire des instruments et à remarquer les phénomènes autour d'eux. Ils sont entraînés à ça. Cela étant, ils sont à l'intérieur d'un avion avec des petites fenêtres, des hublots. Ils ne voient pas nécessairement ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a derrière, etc. Alors qu'un berger dans son champ, il voit tout. Bon. Donc, il y a une calibration en fonction de la profession des témoins, de où ils sont, dans quel pays, etc. Il y a aussi le fait que les termes utilisés ne sont pas les mêmes. Par exemple, il m'a fallu un certain temps pour comprendre que contacto en espagnol ne voulait pas dire contact en français ou en anglais. Dans les dossiers ufologiques, les hispaniques disent contacto quand quelqu'un a vu quelque chose. Alors que nous, contact, ça veut dire qu'il y a eu un phénomène rapproché. Donc on ne peut pas faire une seule base de données. D'ailleurs, aujourd'hui, dans l'industrie, on comprend très bien cette question et on parle de banques de données ou de nuages de données et on crée des procédures à l'intérieur de ces nuages. Donc le Capella, je l'ai conçu comme une série de bases de données. J'ai fait une présentation au CNES d'ailleurs il y a 3 ans, 4 ans. Qui est archivé, hein, qu'on peut retrouver, en montrant toute l'histoire des bases de données qui ont été faites aux États-Unis, en France, en Angleterre et dans d'autres pays, pendant combien de temps, sur combien d'années, et comment ces différentes bases de données, il y en a beaucoup qui sont publiques, hein, y compris celle du projet Blue Book, avec 20 000 cas, donc on peut les retrouver, et on peut en faire donc, une série de fichiers
dans lesquels on peut calibrer la valeur du témoignage. Étant donné que les pilotes ont probablement une plus grande valeur au point de vue du phénomène, de la description du phénomène, et d'autres sont... les pilotes aussi ont des instruments, souvent des radars, qui renforcent le témoignage. Le berger, dans son champ, il n'a pas de radar. Donc, la structure de l'information du point de vue d'un informaticien comme moi est différente. Donc dans Capella, ce que je voulais, c'était rassembler, prendre acte de tout cela, prendre les bases de données qui étaient déjà disponibles, plus les miennes, et les rassembler dans un ensemble où on pouvait tester des hypothèses, justement en fonction de la qualité des différents... disons, des différents tuyaux, quoi. Enfin, on peut se représenter ça sous la forme d'une série de tuyaux, comme dans une raffinerie. Et dans ces tuyaux, bah, il y a des données à différents degrés de valeur. Donc, Capella, c'était ça. D'accord. Et est-ce que cette base de données, on peut la consulter? Est-ce qu'elle est toujours nourrie? Non, elle est pas, je ne l'ai pas mise en ligne parce que je veux continuer à pouvoir travailler sur ces dossiers et raffiner l'information autant que j'ai le temps de le faire et surtout pouvoir relier, pouvoir poser des questions qui s'adressent à l'ensemble de ces différents domaines. D'accord. Alors j'ai une seconde question qui émane d'OVNI Languedoc. Alors vous qui travaillez depuis tant d'années sur le phénomène OVNI, avez-vous acquis la certitude que nos visiteurs utilisent des lois physiques qui nous sont inconnues à ce jour? Oui. Oui. Mais si vous posez la même question à l'école normale supérieure ou à la Sorbonne, à un physicien, il veut dire la même chose. Qu'on est devant l'astrophysique, par exemple, aujourd'hui, et devant des phénomènes qu'on observe très bien, et qu'on ne comprend absolument pas. Et que... Alors, il y a des hypothèses, il y a des modèles, il y a des modèles mathématiques, il y a tout ça. Il y a des publications là-dessus. Mais dans une grande mesure, les physiciens aujourd'hui, à la fois les physiciens de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, vous donneront la même réponse. Enfin, c'est pas... il n'y a aucun mystère. La frange la plus avancée, alors moi j'ai fait de la physique, comme vous le savez, et de l'astrophysique, cela étant il y a quand même très longtemps, et j'ai surtout fait de l'informatique après, mais je garde les contacts avec des physiciens qui travaillent à cette frontière, justement, je leur pose la question. Et ils me disent, bon, d'abord, c'est bien joli d'avoir écrit un livre qui s'appelle « Autre dimension », mais c'est pas comme ça qu'on voit les choses maintenant. C'est-à-dire que des dimensions de temps et d'espace, c'est bien au niveau de la physique ordinaire, mais quand on en arrive au-delà de la mécanique quantique actuelle et qu'on regarde justement à la fois la relativité et la mécanique quantique, il faut abandonner l'idée de dimension, donc il faut abandonner l'idée d'espace et de temps. Alors, je dis, si on oublie l'espace et le temps, qu'est-ce qui reste dans la vie? Enfin, quand même, on avance dans le temps et on marche dans l'espace. Et ils me disent, oui, mais ça, c'est des phénomènes qui sont induits par la nature profonde de l'univers, qui est le quantum. Une espèce de mousse quantique. Alors, il faut se représenter l'univers comme une mousse quantique à l'intérieur de laquelle il se passe des phénomènes que nous, ayant évolué dans cet univers, on perçoit avec nos outils de perception de notre corps et de notre esprit, on perçoit comme de l'espace et du temps.
Alors ça va très très loin et ce n'est pas enseigné partout. C'est un domaine vraiment très pointu de la physique parce que le reste de la physique n'a pas besoin d'aller à ce niveau-là. Enfin, bon, on n'a pas besoin pour faire de l'électronique, pour faire des caméras, pour faire des choses comme ça. Mais quand on regarde quand même les phénomènes astrophysiques à grande échelle, c'est là que se posent les questions. Donc la réponse à votre question, c'est absolument, le phénomène OVNI s'inscrit dans une problématique qui ne fait pas peur aux physiciens théoriciens aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a rien qui interdit à des objets qui sont matériels sur la Terre de venir d'un espace-temps qu'à 5 minutes d'avance sur nous. Comment on pourrait le détecter à 5 minutes d'avance sur nous, dans l'espace-temps? Donc, et c'est là que peut-être je me suis fait des ennemis parmi les ufologues en disant que les ovnis n'étaient pas des objets et qu'ils ne volaient pas. Un objet qui perce l'espace-temps et qui atterrit dans mon salon ou qui atterrit dans mon champ ou dans le champ de M. Mass, c'est pas un objet volant, c'est pas un super avion, c'est pas une fusée, c'est pas un truc comme ça. C'est un phénomène d'une autre nature. Et tant qu'on essaiera de le mettre dans nos catégories, par exemple, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est le CNES qui s'en occupe? Alors, c'est si effectivement on pense que le phénomène vient en partie de l'espace, le CNES est habilité à le traiter. Parce que le CNES sait documenter les phénomènes spatiaux, et puis il comprend très bien les fusées, il comprend très bien tout ça. Par contre, si c'est vraiment un phénomène de nature quantique ou super quantique qui gère le temps et l'espace à sa façon et qui peut percer notre univers que nous percevons, il faut déployer un éventail de technologies qui dépasse celle du CNES et de ses instruments. Notamment faire appel à l'astrophysique pure, faire appel à la physique théorique et peut-être inventer des instruments de mesure nouveaux et puis aussi trouver des gens qui vont retourner sur le terrain, qui ne sont pas seulement des scientifiques, mais qui regardent aussi les aspects médicaux, ce qu'on fait énormément aux États-Unis. Ce sera une surprise en France quand on va comprendre à quel point il y a eu des médecins qui sont sur le terrain et non des moindres, des médecins de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine, qui ont passé beaucoup de temps à étudier les témoins et à étudier les structures de leur cerveau, et étudier tout ça. Et ça, on ne l'a pas fait en France parce que les structures scientifiques françaises ont toujours traité le phénomène comme un phénomène physique, ce qui est approprié, mais en oubliant l'aspect psychique au sens pur et l'aspect biologique au sens pur. Notamment les paralysies, ben, y a personne dans les systèmes officiels en France qui a véritablement fait une analyse longitudinale de tous les témoins en France qui avaient été paralysés par un OVNI. Bon, c'est une chose à faire. Il y en a beaucoup comme ça. Et mon espoir, c'est que justement, avec ce qui se passe aux États-Unis, on va pouvoir commencer à faire ça ouvertement, sans se préoccuper du secret, des trucs nucléaires, etc. Ça, on peut le faire aujourd'hui. On a les médecins pour le faire, on a les laboratoires. Bon, faisons-le. Bien sûr. Alors, la troisième question émane du MUFON France. À votre avis, de qui viendra la réelle divulgation? Est-ce que ça viendra des officiels ou alors est-ce que ce sera du privé, à votre avis? Alors, bon, on peut se poser la question, pourquoi un phénomène qui était interdit, qu'on expliquait vaguement il y a une trentaine d'années,
tout d'un coup, les mêmes gens, l'Observatoire de Harvard, l'Académie des sciences, dit « Venez à moi, petits hommes verts, etc. On vous aime et tout, et on peut en parler. » Alors, moi, je suis très content de ça. Dans ma vie, comme vous le savez, ça a été quand même un grand tournant quand tout a été arrêté. Bon, j'ai quitté les États-Unis, je suis revenu en France, j'ai fait autre chose, etc. À l'époque, parce que je pensais que c'était complètement bloqué, quoi. C'était pas la peine. Et puis j'étais un peu écœuré par ce qu'on voyait de la science américaine, qui n'osait pas poser les vraies questions. Alors aujourd'hui, tout d'un coup, c'est ouvert. Alors c'est ouvert parce que dans l'intervalle, d'abord le stigma a été. On peut, dans un dîner de famille à Noël, dire tiens, j'ai vu un ovni avant-hier. Bon, les gens ne vont pas vous prouver de bûche bon, pour ça. Il y a 30 ans, c'était différent. Hein. On disait, bon, il est peut-être un petit peu, il ne faut pas en parler. C'est la honte de la famille parce qu'il a vu un ovni, etc. La vieille grand-mère qui racontait qu'elle avait vu des petits hommes. Donc, et ça, c'est vrai. Il y a des familles qui ont été traumatisées par ce genre de choses. On retrouve ça encore dans les dossiers aujourd'hui. C'est bien. Cela étant. Ça ne veut pas dire que tout va être ouvert. Je crois que maintenant, un jeune scientifique qui s'y intéresse, ou même un moins jeune, est autorisé à rassembler des informations sur ce sujet-là, voire faire une thèse sur le sujet. Donc, une thèse de psychologie, mais enfin peut-être aussi une thèse de physique, ce serait intéressant. Au CNES, on a les documents qui autoriserait quelqu'un à faire une thèse de physique sur la chose sans nécessairement dire, vous voyez, c'est des extraterrestres, etc. En tout cas, regardez les faits, les mesures, etc. De ce point de vue-là, la France est en avance, puisqu'elle a, grâce à Claude Poher, grâce à tout ça, on a un organisme qui, pendant 40 ans, a été à l'écoute des témoins. Donc ça, c'est un trésor qui ne demande qu'à être exploité. Mais alors, il faut ouvrir les fenêtres, il faut inviter les gens, il faut peut-être créer une culture. Alors, moi, j'ai pas mal travaillé avec une structure française qui s'appelle le Génopole. Le Génopole dépend du département de la santé, mais aussi du département de la recherche, du ministère de la recherche et du ministère de la santé. Donc il a deux patrons, si vous voulez. Bon. Et alors, c'est compliqué au point de vue bureaucratique, parce qu'évidemment, les budgets, tout ça, c'est différent. Mais ça permet d'avoir accès à un ensemble de choses. Je crois que si j'avais un conseil à donner, on ne m'a pas demandé, en France, ce serait de faire la même chose, c'est-à-dire de ne pas le laisser. Alors, le CNES est bien entendu habilité à reconnaître les données, à rassembler les données, c'est ce qu'ils font, et à les traiter. Et à les mettre à la disposition de la communauté scientifique. Mais du côté de la communauté scientifique, il n'y a personne. Donc le CNES n'a pas d'interlocuteur. Mmh. Alors que dans les domaines spatiaux, ben, le CNES a des interlocuteurs dans l'industrie, dans d'autres ministères, etc. Alors que dans le domaine des ovnis, par exemple, le ministère de la Santé pourrait avoir une cellule qui communique avec le CNES. Parce qu'on tombe devant des témoins qui ont été paralysés, qui ont été traumatisés parfois par quelque chose, et on n'a pas les ressources, on n'a pas l'accès à des médecins qui peuvent faire les tests. On a vu ça dans le cas de Pontoise, par exemple. Hein. Bon, il y avait quand même trois... il y avait un des jeunes qui a disparu, qui est reparu, fallait à ce moment-là, bah, fallait faire une thèse, fallait lui faire recueillir l'urine, recueillir le sang, tout de suite, et puis faire ses tests. Et à ce moment-là, le CNES a appelé un médecin américain, et le temps que ce médecin américain arrive, c'était un ami de Claude Poher, un ami à moi, qui avait beaucoup regardé la question aux États-Unis,
Et ben, le temps qu'il arrive, évidemment, les données médicales dont il avait besoin ne seraient pas là. Quoi. Donc, et on a perdu des informations qui auraient pu être précieuses, qui auraient pu orienter vers un diagnostic et au besoin aider la personne en question à surmonter ce qu'elle avait vécu. Donc, on se rend compte en fait qu'en France, il y a beaucoup de liens à faire encore entre les différents organismes pour encore plus de tricotage, pour vraiment oui. consolider tout ça. Bon, nous, le CIPO, on essaie de faire ça, mais voilà, avec nos petits moyens, on essaie, avec toutes nos ressources, de faire des liens pour qu'il y ait plus de cohésion. Oui, et puis l'image de l'OVNI, c'est que c'est un truc spatial. Quoi. Ça vient de l'espace. C'est un peu la même chose aux États-Unis. Hein. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Jacques, de cette nouvelle rencontre. Non, mais merci de vos questions et les questions de vos... de vos membres, etc. Oui. Et à bientôt pour une prochaine, alors. Oui, je crois qu'il va y avoir... ça va se débloquer aux États-Unis hein, d'une façon ou d'une autre. Prochainement, d'après vous, le héritage Il y a un projet de loi qui est sur sur la table du Sénat. Oui. Bon, on ne peut pas aller beaucoup plus haut, le Sénat et le président. Hein. Donc, le... si ce projet de loi passe, il va y avoir la création d'un organisme auquel nous, on a déjà signifié qu'on était prêt à participer. Donc ça ouvrirait une nouvelle voie de recherche. Cela étant, les gens qui ont les dossiers classifiés vont rester classifiés. Ils ne vont pas être déclassifiés sous l'administration actuelle. Pour des raisons qui sont probablement valables en partie. Hein. Je veux dire, on ne peut pas simplement dire « bon, il faut tout déclassifier ». Bien sûr, après tout se discute, on n'a pas tous les mêmes raisons selon où on est placé. Voilà, nous, les jeunes ufologues et les CIPO, on aimerait que ça avance plus vite parce qu'on se rend compte quand même que maintenant, au niveau culturellement, les gens sont bien prêts dans leur tête à accepter ça. Je parle du public lambda parce que le cinéma fait son œuvre, Internet fait son œuvre. Donc pour nous, il nous semble que toutes les raisons avancées, aussi bien religieuses qu'intellectuelles, ça nous semble dépassé. Maintenant, après, c'est un point de vue citoyen et pas politique ni militaire. Et ce ne sont pas les mêmes données, bien sûr. Merci. Très bien.